Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va continuer notre aventure sur la lune. Et oui, on ne dirait pas, mais nous sommes bien sur la lune. Oui, je sais que j'ai loupé plein de pièces, plein de lunes la dernière fois, mais comme j'ai dit, j'y repasserai, je vous promets. C'est juste que là, je sais pas trop comment les avoir certaines. Donc je m'excuse d'avance. Elles me sont passées à côté, malheureusement. On y retourne, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, franchement pas de souci à avoir là-dessus. Vous connaissez, hein, déjà les pièces c'est pour vraiment avoir la tenue finale, donc les tenues en fait que je vais avoir ici. Vite, vite, oui, bah si je veux, hein, Bien sûr, on aura normalement la cérémonie, mais je veux pas dans les alentours avant, je suis désolée, mais je suis curieuse. Excusez-moi, ça me gratte un peu le nez. Les petits poils hein, qui se promènent. De chat, hein, bien entendu. Ça me fait penser un tout petit peu au. Comment ça s'appelle déjà? Au château qu'on trouve facilement dans Zelda. Un peu le temple du temps. Non, j'ai pas sauté assez haut. Ah, si, je saute assez haut, mais je me prends la bordure en fait. Voilà. Alors, déjà là-bas, il y a une lune, on ira la chercher après. Là, je vais surtout aller chercher. Ah, attendez. Oh là là, j'ai plus. Oh là là, il y a plein d'endroits où aller tout à l'heure. Hein. Faudra vraiment qu'on refasse le tour de la lune, je suis désolée. Hein, c'est un peu embêtant, je sais. Il y a des trucs intéressants, je vois. Alors attendez. Voilà, déjà ça. Et là, j'ai dit qu'il y avait une lune. C'est presque obligatoire qu'il y ait une lune en fait. La pulpeule là où il y a la grenouille. Qui va sûrement des pop d'ailleurs. Voilà, je l'avais dit. Donc franchement, ça valait le coup. J'ai eu presque toutes les pièces. Hein. Je pense que les seules pièces qui me manquent, elles sont dans le cratère, rougeoyant. Et peut-être dans des endroits que j'ai vus, des interstices, que je n'avais pas vus auparavant. Ouais, je vois des violettes là-bas. Donc, on y retournera plus tard, du coup, vu qu'on est là. Autant continuer hein, notre petite aventure. Donc, c'est parti. À mon avis, il va y avoir une cinématique. Excusez-moi, je bois un petit peu. C'est très joli, très sobre. La bague est plus grande qu'elle, quoi. Pourquoi il y a tout cela? Qu'est-ce que c'est ce bazar? On m'a amené ici à l'insu de mon estomac. Fond, mais qu'est-ce qui se passe, ces filles? Ah oui, d'accord, on vous a forcé à venir quoi. C'est un petit peu méchant. C'est quoi ce forcing? Oh.
Tu t'invites au mariage, Mario. Même venant de toi, je trouve ça bien prétentieux. Et puis, c'est quoi cette tenue? Tu te prends pour qui, Nabo? Il n'y a pas de place pour toi ici. D'ailleurs, tu vas connaître le même sort que le bouquet de la mariée. Je vais te balancer loin derrière moi, et basta. J'avoue que c'est prétentieux quand même de la part de Mario de s'habiller en mariée, quoi. Prépare-toi à morfler, Mario. Parce que, franchement, c'est pas lui le marié. Et qui a dit que Peach voulait être sa mariée? T'as invité à mon mariage pour le meilleur et pour le pire. Ah, pas mal ça. Alors, ça va pas être facile, hein. Je sais que je suis mort plusieurs fois, moi, la première fois que je l'avais fait, donc. Ça risque encore d'être le cas, voilà. Surtout si je me brûle le cul comme je viens de le faire. Sachant qu'en plus, ouais. Non, j'allais dire, il y a des trous pour éviter ça, mais non, pas du tout. Bon, bah, c'est mort, hein. Et voilà, bon. Possible que je meure plusieurs fois. Hein, vous êtes prévenus. Oh, c'est sérieux ça, je dois le refaire à chaque fois. Bon, je vous reprends une fois. Ouais, bon, j'étais pas prête. Je récupère ça. Après, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à esquiver, c'est pas grave. C'est surtout son feu, faut que je vois vers où il va le démarrer. Oh, bâtard! Oh, c'est trop dur. Je sais pas comment je vais faire. J'y arrive pas. Moi, j'aurais dû attendre qu'il m'envoie ça. Je suis sûr qu'il y aurait de la vie. Mais putain, j'arrive pas à esquiver ce feu. Je sais Ah, ça va être chiant ça. Ah, je suis désolée, hein. Putain, mais même là. Je sais pas comment je fais pour me brûler à chaque fois les fesses. Hein. Oh, attends. Plus important. J'ai perdu du temps là. Mais pourquoi? Mais mon Dieu, mais non, pas mon Dieu, mais pourquoi là j'arrive pas? C'est n'importe quoi.
ça, je pense pas que je puisse le casser, hein. Ça me saoule aussi. J'ai trouvé un vendeur qui vend en fait de la vie en plus. Donc j'espère que ça va m'aider. Désolée d'être aussi nulle, hein, mais. Ah bah. Ça commence mal, on va dire. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à esquiver sa queue. Attends, j'ai sauté. Moi, ce que je comprends pas, c'est vraiment comment esquiver le feu. Je sais plus vraiment comment faire. Mais je saute, c'est ça le pire, putain. J'ai l'air d'une rageuse, mais c'est vrai que je comprends pas en fait comment ça se fait. Que j'ai beau esquiver et que ça fonctionne pas, quoi. J'ai beau avoir pris de la vie en plus, ça va me servir à rien, j'ai l'impression. Je les repère dans pas une fois, je pense. Non, c'est bon. Bon, troisième phase. Et là, ça me fait peur. Cette fois-ci, j'ai réussi à esquiver, je sais pas comment. Oh putain, j'avais réussi, mais c'est pas possible. Oh non, mais c'est quoi cette arnaque? Je vais mourir. C'est presque sûr et certain. Je comprends pas. Franchement, mes petites bulles, je comprends pas. Bon, je vous reprends à la troisième phase. Troisième phase. C'est compliqué, hein. Ah, à chaque fois, je me fais avoir pour son aller-retour à la con. Ah, j'ai cru que j'avais pas réussi à monter dessus. S'il te plaît. Ah si, il a perdu son équilibre. Oh, oh c'est pas juste, hein. Bon, c'est mort, hein. J'ai l'impression. Je sais pas, il va falloir que je recommence encore. J'arrive pas à esquiver sa queue, je sais pas pourquoi. C'est sa queue en fait qui me pose le plus de problèmes. C'est même pas le reste. Ah! Bon, j'ai enfin réussi. Je suis désolée, hein, mais franchement, je voulais pas recommencer autant de fois, c'était vraiment pas prévu.
pardon. Ah, où sont les demoiselles? Je sais, je sais. Ouf. On voit bien que dans l'esprit de Bowser, il n'y a que Peach. Ça se voit qu'il a vraiment des sentiments réels pour elle. Et Mario, en fait, c'est juste un mec qui interfère à chaque fois. Et... méchant. Non, bah. Ça sert à quoi de se dépêcher si c'est pour mourir comme ça? On va recommencer. Là, franchement, je vais pas m'amuser à chercher s'il y a des trésors ou autre. Hein. Tant pis. On cherchera plus tard. Alors pourquoi je suis morte tout à l'heure? Oh, vraiment? Je pense qu'on a quand même le temps, j'espère. Bon, au cas où, on va pas... Oh, c'est le diable, j'allais dire. N'empêche, on sauve en même temps Bowser. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte. Allez, allez! Oh, la musique elle est trop belle par contre. Ah merde, fallait peut-être casser tous les pieds. Oh, ça va être compliqué là. Juste la musique, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Oh non! J'avais pas vu le trou, je suis désolée les petites bulles. Bon bah désolé, hein. On reprend. Oh non, on reprend de si loin. Bon bah hey, je vous reprends une fois qu'on sera retourné. Oui, il y a la super musique. Bon,
Espérons que cette fois-ci, je tombe pas dans le vide. Par contre, ma vie. Non, tu crois? Et voilà la fin de l'aventure. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. Bien sûr, on a d'autres endroits à passer, hein, bien entendu. On a d'autres niveaux à revoir, bien entendu, vu qu'il y a des lunes qu'on n'a pas pu avoir. Comme j'ai dit, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais je vais en faire une bonne partie quand même. Dont celle qu'on a loupée sur la lune. Et à mon avis, on a des choses à acheter, vu qu'il y avait des pièces. Donc, j'aimerais bien au moins les utiliser. Je vais voir quelques lunes qu'on aurait oubliées, puis voilà. Je passe cette cinématique parce que je sais pas ce qu'il y a après, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'espère que ce jeu vous a vraiment plu parce que personnellement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. Et ça me tenait vraiment particulièrement à cœur de vous le faire parce que, bah, je sais pas, je trouve que c'est un très beau jeu. Il me ressemble vraiment à Mario 64, comme je l'ai dit, par ses musiques. Un peu pour tout en fait, tout simplement. Et vous devez savoir que moi j'ai grandi avec Mario 64, que j'ai beaucoup joué. Bon, j'ai jamais réussi à tuer Bowser de fin. Ma soeur elle a réussi, mais tant mieux pour elle. Là je vais essayer de vous le faire quand je jouerai avec le Nintendo Online. Je vous promets rien, hein, mais je vais d'abord faire le Zelda comme je vous ai dit. Mais là on va voir pour d'autres lunes. Donc déjà, je vais voir vite fait le royaume champignon et on va visiter. Comme d'habitude, on fait 45 minutes, non?
parce que sinon ça fait une petite vidéo 25 minutes, autant se promener un peu dans le royaume champignon, sachant qu'on le connaît pas. Et en plus, ah, je vois Luigi. Tout est si calme, si paisible, c'est comme si notre voyage sur les lunes n'avait été qu'un rêve. Mais non, on a bel et bien sauvé nos chères demoiselles, tout est bien qui finit bien. Cela dit, je préférais que tout ne finisse pas maintenant. Il nous reste tant de choses à accomplir, tant de chapeaux à découvrir. Et puis, si on collecte davantage de lunes de puissance, on pourra sans doute voler vers de nouveaux horizons. En fait, tout est bien qui ne finit pas, pas vrai? Pourquoi s'arrêter alors qu'on peut continuer? Allez, en route! Et si on s'est dirigé vers le château de Peach pour commencer? Bon, bah voilà. Du coup, on va continuer un peu. On peut rejoindre le côté obscur de la lune. Bah, vous voyez, je crois que la première fois, j'ai pas eu autant d'étoiles. Donc voilà, on a d'autres endroits à visiter. On va d'abord visiter un peu le royaume champignon. Et je pense que dans le prochain épisode, on visitera un peu d'autres endroits qu'on n'aurait pas visités. Donc on va faire un petit tour assez rapide, je pense, du royaume champignon. Au moins pour les pièces. Et en plus, on voit bien qu'il y a des lunes qui nous attendent. Donc ouais. Attends, dégage. Il est où le chien? Je l'ai pas tapé pourtant le chien. Ah, attends. Ouais. Vas-y, gratte. Oh, des pièces. Je pensais que t'allais me donner une lune. Bah, une étoile, parce que ici, c'est les étoiles. Je promène le chien. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Hey, frangin, il paraît que tu as sauvé la princesse Peach. Je suis vraiment fière de t'avoir pour frangin, tu sais. Mais écoute plutôt ça, j'ai inventé un nouveau jeu. Ça s'appelle la chasse au ballon. La chasse au ballon est un jeu dans lequel tu cherches des ballons cachés par des joueurs du monde entier. Tu dois savoir que si tu joues, tes records et le surnom de l'icône de ton profil seront visibles par les autres joueurs. Est-ce que tu veux te connecter? Non. Bon, bah, n'hésite pas à venir me voir quand tu veux. Ouais, t'es mignon, mais là, actuellement, ça m'intéresse pas. Franchement, utiliser Luigi juste pour ça, je trouve ça dommage parce que Luigi c'est un très bon personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais bon. Des pièces, ouais. Je m'attendais à une étoile, encore une fois. Oui, là, je me promène un peu, hein, désolée. Alors. Oh ouais. Alors, attendez. Poussin, vignette inspirée du chapeau de Peach. Bon, plus prendre les vignettes du coup. En fait, il n'y a qu'une tenue d'intéressant. Non, non, non. Bah, déjà, on va prendre la lune. Ensuite. Attends, j'ai pas fini. C'est vraiment la musique. Mais en fait, c'est. D'accord. C'est aussi les lunes qu'on a eues ailleurs, j'ai l'impression. Plus tard. Je vais prendre toutes les tenues. Vu que. Parce que c'est le but, hein. Peut-être pas, quoi. Ah, je peux pas avoir toutes parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent. J'avais pas fait attention qu'on pouvait pas avoir tous les trucs. Ouais, ça va coûter un petit peu trop cher, là. Faut pas déconner. Surtout que j'ai pas beaucoup d'argent. On n'aura pas toutes les tenues, malheureusement, mes petites bulles. Le Cosmodo, c'est pas mal. Excusez-moi, je regarde à peu près ce qu'il y a. Ouais. Ouais, plus tard.
Alors. Mais viens là. Merci. Ouais, qu'est-ce que t'as toi? Salut! J'ai pas trop le monde en cas de nouveau son. Là, je cherche une musique sur un thème bien spécial. Tu pourrais peut-être m'aider. Tiens, tu y connais en musique? Le thème Minute Papillon, j'y viens. Nostalgie en mode tout plat, tout bloc. Si tu as quelque chose qui correspond, fais-moi écouter. Tout plat, tout bloc. Je pense pas que j'ai ça. D'accord. Si tu veux. Ensuite, hop. Ah d'accord, la graine, elle était censée être là. Ah non, c'en est une autre. C'est pour monter, d'accord. Pas intéressant. Oh, mais non, mais c'est vraiment Mario 64. C'est vraiment Mario 64. Let's go. D'accord. Donc en fait, on refait le truc, mais en plus dur, d'accord. Et à mon avis, ça va être ça souvent en fait. Ça m'étonnerait même pas. Hop. Arrête de me lâcher tes durians là. En plus ça pue comme fruit. Non mais. Ah mince. Oh! J'ai pas fait exprès. Allez, bim! Multitude de lune. Je m'attendais à une multitude d'étoiles pour le coup. À mon avis, il y a plusieurs trucs comme ça de rebelote. J'imagine. Bon, normalement, vous savez, quand il sort, il enlève sa casquette et puis après, il s'essuie le front avec le plat de son bras. En toute logique, normalement. En tout cas, dans 64. Ça fait quoi une bonne con? Ça se requin, pas vrai? Non, j'ai pas envie de faire ça, franchement, pas du tout. J'avais bien senti que ça vibrait, mais bon. J'aurais préféré une étoile, pour le coup. Et oui, parce que pour une fois, j'ai le droit de dire le mot étoile. Parce que ici, ce sont des étoiles, et non des lunes. Faut en profiter, c'est très rare que ça arrive. Non, j'ai pas besoin que de nager avec toi, mon petit bonhomme. Mais merci, parce que ça me fait rappeler aussi à 64, où on a aussi... un genre de Dory, je crois qu'elle s'appelle aussi, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pareil. C'est
Il permet en fait de pouvoir nager dessus. Alors. Oui, c'est vraiment des rebelotes, quoi. Lâche-moi, toi. Mais on est dans les nuages. Comment je fais pour récupérer de la vie? Oh ouais, je suis morte déjà. Oh non! D'accord, il faut pas sortir de son truc. Je ne savais pas, je le saurai pour la prochaine fois. On recommence. Même moi, il fait... Oh, ma bamille. Oui, bah... On va dire que je suis restée dans l'autre truc. Ah, bah bravo, ça commence mal. On dirait qu'il est en phase 2, presque. Bon. Oh là là! Ça va être compliqué là. Il me donne pas de vie, alors c'est compliqué. Arrête de bouger! Compliqué, hein. Heureusement qu'on n'a pas à se remettre de l'eau. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ça va. Je m'attendais à pire. Alors, ça c'est fait. Ok, ensuite. Mais je vois pas où ils sont les. C'est ça. Mais si mon dos se serait échappé, si je tombe dessus, ramène-les ici, s'il te plaît. D'accord, après. Moi, ce qui me pose problème, c'est où est-ce qu'on met les. Les graines. D'accord, ça on retournera ici après. On aura plein de choses à faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec mon chapeau lui? Je prendrais bien un bon bain de nostalgie, moi, si tu t'habillais comme au bon vieux temps, je te laisse entrer, d'accord? D'accord, c'est pour ça cette tenue. Bon bah on va essayer d'avoir au moins les pièces pour la tenue. Cette lune est sous ma protection. Les gommages peuvent bien venir, ils ne me font pas peur. D'accord, je sais comment t'avoir toi. Putain, j'aimerais bien savoir.
Où est-ce qu'on met ces graines en fait, tout simplement? Il y a pas mal de choses à faire ici, hein. Franchement, on aura beaucoup de choses à faire. Ça risque de prendre pas mal de temps, sachez-le. Et où? Ah, d'accord. Non, mais. Je les mets où les graines, les amis? Parce que là, je sais pas. Franchement, je suis perdue. Je sais pas où on les met, ces graines. Sinon, tant pis, hein. C'est dommage. Parce que là, j'ai plein de graines pour peu de choses, en fait, tout simplement. Peut-être là-haut. Bah, je vais avouer que je suis un peu perdue. En tout cas, j'en ai vu plein. C'est déjà pas mal. Mais ah, allez, voilà, d'accord. Donc déjà, hop, d'un, de deux. J'en ai vu trois déjà. Trois. Il me manque un quatrième. Encore deux, mais il y en a un, je sais déjà où il est. Ok. Ah, c'est un mouton. Je me demandais ce que c'était. Du coup, il y a une graine qui est là. Et la dernière, je ne sais pas où elle est. Faudrait que je la trouve. Mais ça, on verra plus tard. Du coup, je ramène cette graine et mes petites bulles la prochaine fois. Pour vous, en tout cas. Excusez-moi, j'ai un petit une petite remontée. Nous continuons en fait de chercher les étoiles ici. Et moi je continuerai les autres pays. Alors soit ce soir, pour l'instant j'ai toujours pas envie de dormir. En tout cas, je vais essayer franchement essayer d'avancer Mario et peut-être entièrement le terminer ce soir. En tout cas pour les recherches. Je vous fais, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Je vous fais plein de bisous les petites bulles et à bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à aimer et partager la vidéo si elle vous a plu. Bien sûr, de parler de cette page autour de vous. Hein. Franchement, ça nous fait à chaque fois plaisir, surtout de voir vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous fais plein de bisous les petites bulles. Bye bye.